je savais, j'ai amené ma petite boîte. Et comme le Saint-Esprit me dit, ben, amène ta petite boîte, et bien le Saint-Esprit se trompe. Ma petite boîte, elle est là. Mon expérience, elle est là. Elle n'est pas dans la petite boîte, hein. Elle est dans mon cœur. J'ai passé dans les difficultés, il y a pas de guerre là, donc il y a. La difficulté pour rendre les autres. Et puis, j'avais perdu la foi. La foi était partie de mon cœur. Je voyais pas les choses. J'ai dit, Seigneur, si tant d'années que je viens à la réunion, et puis je vois rien dans mon foyer. Et puis c'était comme ça. Le diable m'a veillé comme ça. Et puis, un matin, je me suis levée. Et le Seigneur m'a dit, prie, Jésus. J'ai obéi au Seigneur. J'ai commencé à prier. Et puis, j'avais de la colère dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi toujours ces difficultés-là? Pourquoi toujours si tant de peine dans mon cœur? Et pourtant, je suis une chrétienne. Et puis, ça s'en allait pas loin. Et un beau jour, il y a une petite fille qui vient sur la place, ça mangeait. Je la connaissais pas du tout. Je l'avais jamais vue de ma vie. Et puis, il faisait beau. Et puis, j'avais fini mes affaires, alors je fais un petit tour, vérifie. Et puis, je m'assis sur le tabouret, elle me dit assis-toi. Et puis, j'avais demandé au Seigneur des choses, j'avais que Jésus qui soit. Et puis, comme Gabriel, elle me dit t'es une chrétienne. Mon cœur, ben, il se réjouit dans mon cœur. J'ai dit oui, je suis une chrétienne. Elle a dit ça se voit sur ton visage. Et puis, je dis rien du tout. Mais ça l'avait travaillé mon cœur. Et puis, je m'en vais de la petite fille, je vais chez moi, puis je prie le matin. Et puis, toujours cette foi-là qui ne revenait pas dans mon cœur. Je n'arrivais pas à saisir cette foi-là. Et puis, je demande au Seigneur, et puis je prie. Je dis, Seigneur, tu vois de mon cœur, tu sais, toi seul qui passe dans ma vie, et la difficulté que j'avais. Puis cette crainte que j'avais dans mon cœur. Je dis, Seigneur, je te donne tout en tes mains. Parce que j'en ai marre d'avoir peur comme ça. Et puis, il est 11h le matin. La petite fille, ben, j'étais chez moi, j'étais dans mon camping, elle a dit, j'ai venu à 11h, elle n'était pas là. Et puis elle est venue à 4h. Elle dit, je suis venue chez toi ce matin, mais elle dit, je ne t'ai pas vue. Ben, je n'ai pas bougé dedans. Elle me dit, je ne sais pas, elle dit, le Saint-Esprit me pousse à te donner quelque chose. Ben, j'ai dit, c'est un bon petit. Mais Dieu fait pas tout, fait tout ensemble. Et Dieu savait tout. Il y avait mon petit qui m'a fait. Et elle a dit, j'ai quelque chose à te donner. Alors elle donne cette petite boîte-là, c'est de la ouate. Et j'ai dit, bon, on perd la vue, donc on prend l'âge. Alors que je veux, ben, je vois rien dans ta petite boîte, ma soeur. Elle me dit, regarde, et puis je fais ça de droite. Et je me mets à pleurer. J'ai demandé pardon à Dieu tout de suite. C'est bien qu'il vient de s'élever les ballons. Il est là. Dieu, il avait tout dit. J'ai dit, Seigneur, c'est pas vrai. Tu viens pas pour me confier. C'était une confirmation terrible pour moi. Mais c'était devant mes enfants. Et ce que je passais, c'était pour mes enfants. J'ai dit, Titi, tu ne vois pas mon fils comment il est grand, Seigneur. Puis le petit, il s'est arrivé tout, mais ils ont été élevés dans les choses. Elle dit, c'est ça, nous aussi, mais comment tu vois, mais j'ai dit, ça va tromper. Et depuis ce moment-là, cette fois, elle est rentrée dans mon cœur. Maintenant, ben, j'attends, et comme Dieu voudra, eh bien, il est devant moi. Amen. On passe par une circonstance de la vie qu'on ne comprend pas, mais j'en ai pris une victoire. Et je dis merci. Amen. Au revoir, Dieu.